12 heures de vol. Cela peut paraître bien long. Mais pour aller au bout de ses rêves, c'est véritablement très court. Le vol est très agréable. Le jour se lève. Nous voici à Kyoto. Après avoir débarqué à Osaka, nous commençons par visiter le pavillon d'or. Les mots manquent pour décrire cette nature, véritable paradis terrestre. Sans doute, est-ce le respect de la nature qui, au Japon, en a fait une véritable religion. Les dieux sont nombreux. Ils peuvent s'appeler arbres, soleil, vent, pluie, air, montagne. Et si le paradis était sur terre, sur leur terre? Tombe du plafond à la gare de Kyoto, des jets d'eau représentant des poissons, la nature dans tous les cas. Oui, nous sommes dans une gare. Dans une gare qui compte plus de 500 restaurants. Et oui, tiens, le Jaja de Jo. La gare du Shinkansen, le train le plus silencieux du monde. On dit au Japon qu'il a environ 50 secondes de retard dans l'année.
En France, le TGV, lui, a environ 5 heures de retard par jour. L'architecture de cette gare est absolument magique. La température est de 24 degrés. Tout, y compris dans les plats, respire la nature. Nous avons eu le bonheur de dîner avec une jeune Maïko, apprentie geisha, une fille remarquable de beauté, instruite, savante, agréable, une véritable dame de compagnie. Non, ce n'est pas du tout ce que l'on imagine en Europe. Serait-ce une femme parfaite? Que j'ai vu au Japon, vous êtes sans doute la plus belle. Nous partons d'Uji pour visiter le temple de Nara. Chacun dépose son vœu. Cette beauté est incroyable. Notre touriste fait un vœu. Il n'est pas rare au Japon de voir des jeunes porter des costumes traditionnels. Le retour aux sources est très important pour les Japonais. Ce sont leurs racines. Thank you.
notre petit déjeuner. Et voici notre nouvelle journée à Kanazawa qui va démarrer.